D'abord, en comprenant le diable par la queue, parce que le diable, il a plusieurs noms. Il a Lucifer, il a Satan, en tout cas, en général, il a plusieurs noms. Donc, tirer le diable par la queue, c'est d'abord tirer un mauvais esprit dans le monde spirituel par la queue. Les expressions me manquent. On ne peut rien, on est obligé de vivre, c'est ce que nous vivons. Donc, le Gabon n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Pour moi, c'est ça, tirer le diable par la queue. Les temps sont durs. Moi, ça m'inspire que rien de rien du tout en fait. C'est juste un truc. Moi, je trouve qu'on dit ça comme ça, tirer le diable par la queue, mais nous-mêmes, on ne connaissons pas la signification en fait. Tirer le diable par la queue, nous pouvons dire que cela inspire la difficulté de la vie, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, d'accord, l'on peut enfin utiliser ce terme-là, ce mot. C'est un peu dans ce sens-là. Bon, tirer le diable par la queue, déjà, c'est une expression. Bon, c'est vrai que c'est une expression qui est beaucoup employée, mais c'est d'après moi, hein, c'est pas, je ne connais pas l'étymologie, mais d'après moi, le sens dans lequel on l'utilise, c'est dire c'est d'après une analyse personnelle, c'est dire tout simplement que prendre le diable par les cornes, on peut aussi le dire, attraper le diable par les cornes, c'est-à-dire par ses propres défenses, ses propres défenses. On peut l'attraper par là et puis essayer de l'avoir en fait. C'est une analyse personnelle. Je ne connais pas l'étymologie, je ne connais même pas celui qui a créé cette expression-là. C'est d'après une analyse personnelle. Quand on dit par exemple attaquer quelqu'un, tu dis que la personne est mauvaise. En fait, c'est ça. Donc, tu dois attendre le retour. Donc, pour moi, c'est ce que ça signifie. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, non, je n'ai pas encore entendu parler de ça. C'est seulement, bon, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sinon, ce n'est pas une expression dite littéralement parlant, mais c'est une expression. C'est un adage de langage commun, familier. Et puis, en général, cela renvoie à la misère, à la difficulté que tous et chacun peut avoir au cours de la vie, au cours des moments compliqués. On n'arrive pas à joindre les bouts, on est désuet, on n'a pas de moyens. Par conséquent, on tire le diable par la queue. C'est une situation qui paraît compliquée. Voilà. Donc, par exemple, en ce moment-là, c'est dur pour tout le monde. On n'arrive pas à s'en sortir, donc voilà. D'aucuns disent que je tire le diable par la queue parce que voilà, la situation, c'est vraiment pas ça. Bon, tirer le diable par la queue, c'est d'abord une mauvaise expression, c'est-à-dire que quelqu'un est dans la souffrance, il est dans la galère, il n'arrive pas à pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes de sa vie. Il a des problèmes en général, donc il arrive à tirer le diable par la queue. Là, on a envie de dire, et c'est avec ce petit sourire que nous mettons un point final à cette émission, ce premier numéro de votre nouvelle émission d'information et de divertissement sur Gabon Première. L'entre-deux, rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45 sur la première des chaînes. Mais ne partez pas, j'allais dire plutôt, restez en compagnie du service sport de Gabon Première qui vous propose le jour de course. N'oubliez pas la Tropicale Amissa Bongo qui a donc connu son premier coup de pédale hier. Portez-vous bien d'ici à demain. Au revoir.